Quelle est la pire chose que tu aies pu faire pour un homme par amour? La pire chose. Non, pas encore. Tu n'as pas fui la maison? Pas encore. Tu n'as pas donné ton an de scolarité? Pas encore. Je te remercie. Non, c'est déçoit, je suis déçu. Quelle est la pire chose que tu as eu à faire pour un garçon par amour? Point d'interrogation. Tu es cécile. Oui. Ah, donc tu as raté la composition. La composition. Hein? Donc tu as raté, on ne peut pas aller faire rester avec un garçon. Oui. C'est ça, non? Femme! Non! Skip, je ne peux pas. Vraiment? Oui, sérieux. Les internautes et Dieu, on te voit. Hein? Oui, voyez-moi. Donc, si tu es en train de nous mentir, et quand tu te reconnais, je ne sais pas. Toi, hein? Ils sont en train de nous regarder. Je ne peux pas changer les enfants des gens. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je métisse. Continue. Quelle est la pire chose que tu aies fait par amour pour un homme? La pire chose. La pire chose que j'ai fait par amour, je sais pas. Hein. Tu n'as pas acheté une voiture. Comme une femme m'a dit là qu'elle a acheté une voiture, elle lui a donné et puis plus tard. Non, si je dis que je faisais manger mon homme, c'est normal, c'est pas une pire chose. C'est pas une pire chose. Mais j'ai pas encore fait. Non, j'ai pas. Non, par amour, tu n'as pas encore perdu la tête. Tu n'as pas quitté la maison, tu as dit que bon, les parents là, laissez-moi. J'avais oublié. En fait, j'ai fait une pire chose. On m'a donné l'argent de pension. Oui. Je suis allé donner ça à mon gars. À ton gars. Mmh. Mais pour qu'il fasse quoi avec? Pour qu'on mange, non? Sérieux? L'argent de pension? Troisième même en plus. Mmh. S'il fallait donner un conseil aux petites filles qui se gardent un peu par amour là, quel conseil tu leur donnerais? Mais je vais leur dire de ne pas mettre l'homme devant, c'est de mettre l'école devant en fait. Oui. Parce que l'homme ralentit. Mm-hmm. Le processus de l'homme, ça ralentit, la femme surtout. Oui. Je vais demander aux jeunes filles de maintenant de mettre la tête sur l'école, c'est l'essentiel. Concentré, c'est l'essentiel en fait. C'est ça qui fait la femme en fait. Parce qu'une femme qui n'a rien dans la tête, c'est pas une femme. Je te remercie. Ok, merci. Merci. Bon. Les internautes, nous, on aimerait savoir quelle est la pire chose que tu as eu à faire. Attends, quelle est la pire chose que tu as eu à faire pour un garçon par amour? La pire chose que tu as eu à faire pour un garçon par amour? Je pense pas. Je connais pas. Comment tu ne connais pas? Tu as eu à sortir avec un garçon, non? Tu as eu à sortir avec un garçon, tu dois forcément avoir une réponse. La pire chose. Oui, la pire chose que tu as eu à faire pour un garçon par amour. Réfléchis. Skip, je ne peux pas. Vraiment? Oui, sérieux. Les internautes et Dieu, on te voit. Hein? Oui, voyez-moi. Donc, si tu es en train de nous mentir, et quand tu te reconnais, je ne sais pas. Ils sont en train de nous regarder. Je ne peux pas changer les enfants des gens. Okay. Et puis la maison. Hey, et viens encore chez mes parents. Ah bon? Non. Tu ne faisais pas ça. Tu cherchais aussi les cours. Ok, je te remercie. Je te remercie aussi. Quelle est la pire chose que tu as fait à un garçon? Par amour pour un garçon? Oui. Comment rien? Tu n'es jamais sorti avec un garçon? Si, mais. Hey, papa! Mais tu n'as pas de chance, mais tu n'as pas de quelqu'un. Tu n'as jamais rien fait un garçon? Non. Tu dis par amour, tu n'as jamais rien fait? Waouh! Waouh! Donc, même quand ton gars te dit, tu ne fais rien? Non. Vraiment? Elle dit que Dieu est les internautes, nous voyons. Dieu me voit toujours. Alors, tu maintiens ce que tu dis. Je le tiens. Ok, je te remercie. D'accord. Okay. Bonsoir, ma chérie. Moi, c'est Auguste. Ma chérie, Iris. Ok, la question qu'on aimerait savoir, nous, nos internautes, c'est ceci. Quelle est la pire chose que tu as eu à faire pour un garçon par amour? Acheter un téléphone. Acheter un téléphone. La pire chose que tu as eu à faire. Et tu regrettes? Oui. Wow, tu peux dire, tu peux nous dire pourquoi tu le fais, parce que j'ai été déçu à la fin, non? Ah, tu étais déçu. Ah, donc ta vie t'a déçu, il n'était pas comme tu voulais. Ok, je te remercie. Ashanto Linga. Ok, merci à vous. Bon, la question qu'on aimerait savoir, nous et nos internautes, c'est la suivante. Quelle est la pire chose que tu as fait à une fille par amour? Ah, pour moi, la pire chose que j'ai fait,
bref, c'est quelque chose que je ne peux pas dire devant la caméra, ou un peu. Ah bon? Ouais, ouais. Donc c'est personnel. Donc c'est personnel. Donc mais il n'y a pas les petits détails que tu peux donner là. Parce qu'elle regarde, elle voit. Ah, c'est pour ça que je ne peux pas donner ce genre de vie. Pourquoi tu veux pas que ton ex, ta copine voit ça? Non. Donc c'est confidentiel, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu es catégorie là. Ok, je te remercie. La pire chose que tu as à faire pour un garçon par amour. Donc tu as fait peut-être une bêtise, non? Pour un garçon par amour. Quelle est la pire chose que tu as à faire? J'ai raté mes CC. Pas tes CC? Oui. Ah, et donc tu as raté la composition. La composition. Hein? Donc tu as raté, on peut aller faire rester avec un garçon. Oui. C'est ça, non? Ce n'est plus une petite fille. Elle a l'habitude. Ah! Elle n'est pas petite. C'est vrai. Elle n'est pas du tout petite. Oh, pardon. Pardon. Non, bon, ma demande était trop en sucrée. Fait, c'est ça. Mais maintenant, ça va. Ah, ok. Mais tu n'as pas. Tu t'es rattrapé, non? Tu as bien compris. Oui, ça va. Et tu regrettes? Non. Tu es en train de dire que tu ne regrettes pas. Je ne regrette pas. Tu ne regrettes rien. Je regrette rien. Ok. En fait, c'est ça, c'est le style. Donc, il a fait le bon travail. Je te remercie. Merci à vous. Quelle est la pire chose que tu as eu à faire pour un garçon par amour? Rien. Rien? Oui. Tu es déjà sorti avec un garçon? Oui. Tu es un petit ami même, non? Oui. Alors, comment tu dis que tu n'as jamais rien fait pour un garçon par amour? Tu n'as jamais rien fait? Oui. Hey. C'est un peu bizarre. C'est bizarre. Donc, tu savais un garçon, tu n'as jamais rien fait par amour? Ou même peut-être je pose mal ma question, mais je veux que je repose ma question. Moi, je pose bien ta question. Voilà. Tu n'as jamais rien fait pour un garçon par amour. Vraiment. Dieu et les intérêts nous sont en train de nous regarder. Donc, si tu es en train de mentir, tu maintiens. Ok, je te remercie. Quelle est la vie que tu as Hey, no, I got